Good morning, allez, Yiden, les Yusra, aujourd'hui, le Lunishman, Abraham, Khaïn, Order, Ben, Fortuné, Mazal, Yedida, Batester, Khaïa, Batadoua, Ibrahim, Ben, Rosa. Si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions au Serre, Bechorot, Perictet, Mishnah, Bet. Maasar, Behema, Mistaref, Kimlo, Rigel, Behema, Roa. Vekama, Hi, Rigel, Behema, Roa. Shisha, Sarmin. Haya, Ben, Elul, Elul, Shloshim, Mishnah, Mil. Einan, Mistafin. Ayalo, Behemza. Mevi ou Measeran Baemza. Rabbi Meir Omer, Ayarden Mafsik, le Maasar Behemar. Alors, le 9e Perek de Brorot parle de manière générale de la misa de Maasar Behemar. On a expliqué déjà hier le principe. Lorsqu'on a 10 nouveaux nés dans les troupeaux qui vont être soit du gros bétail, soit du menu bétail, on inclut les moutons et les chèvres en même temps. Dès qu'on a 10 nouveaux nés, eh bien, il faudra prélever le dixième. Il faudra, en fait, on apprendra plus tard, il y aura des périodes dans l'année où est-ce qu'on fixe, on va faire les comptes de ce qu'on en a eu de nouveau, et on va le compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dixième, Asiri et Kodesh, on va le prélever, et il faudra le porter pour faire un korban Yerushalayim, qu'on pourra ensuite consommer à Yerushalayim, d'accord? Ça, c'est la mesure générale du Maaser Behemah. Maintenant, précision super importante, c'est que on considère. On t'impose pas de prélever le dixième de tes revenus bruts dans cette mitzvah du Maaser Behemah. On te demande le dixième de ton troupeau. Or, qu'est-ce qui se passe si tu as deux troupeaux et que dans un troupeau il y a eu 8 et dans l'autre troupeau qui a eu 8, il y a eu 2 ou 8, enfin peu importe. Donc tu as de quoi associer pour avoir une dizaine. Et bien là, il n'y aura pas d'obligation de prélever, il n'y aura pas de mitzvah de prélever. Parce que c'est deux troupeaux distincts. C'est déduit ça, non, Pasouk qui est rapporté ici. Peu importe, c'est déduit d'un pasouk qu'on considère que tu dois prélever ton troupeau. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme un troupeau? Cas extrême, tu as des troupeaux, un troupeau dans le nord d'Israël, en Galil, à côté de Tzfat, et puis tu as un troupeau dans le sud, à côté de Be'er Sheva. Alors là, c'est sûr, tu as deux troupeaux, tu ne pourras pas les associer. Même, je pense que même si ensuite, une fois que les petits ont poussé, on grandit et que tu les apportes ensemble, tu n'auras pas d'obligation, tu n'auras pas de mitzvah de les prélever. Il n'y a pas d'obligation, ça ne s'associe pas. Pour que ça s'associe, il faut que ce soit considéré comme un seul troupeau. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme un troupeau? Ils doivent être dans le même enclos. Jusqu'à combien ils peuvent s'éloigner? Alors la Mishnah m'enseigne. Maaser Behemah, le dixième des animaux, mitztaref, il s'associe, on peut associer donc les animaux, kimlo regel behemah roa. Kimelo, comme l'entier, comme la longueur d'un pied d'une vache qui broute. C'est-à-dire, en deux mots, comme lorsque le berger va faire paître les animaux, alors il laisse les animaux s'éloigner un peu, mais pas trop. Il les laisse, ils sont assez libres. La petite chèvre, M. Seguin, elle va le gambader, elle ne veut plus rester attachée, elle a le droit. Mais pas trop, on la surveille, d'accord? Donc, Kimelo, regel, behemah roa, comme la distance que les animaux marchent pour paître, pour brouter, et que le berger, il n'est pas affolé, il les laisse, ils sont encore sous contrôle. C'est quoi cette distance? Vekama iregel behemah roa. Et quelle est cette distance du pied de la vache qui broute? Donc d'accord, donc, cette distance qu'on laisse l'animal s'éloigner. La distance, elle est de Shisha Asar 1000. 16 000. 1000, c'est comme le Troum Shabbat. C'est 2000 amas. Si on prend une amas, soit 80 cm, soit 8 cm, soit 9,6 cm, selon le Chazonish après Imnae, on va arriver à soit 960, à l'équivalent d'un kilomètre à peu près par 1000. Soit 960 mètres, soit plutôt 1 kilomètre 155, je crois, 6, 2, je ne sais plus. D'accord? Donc voilà, à peu près 1 kilomètre, plus ou moins. Donc jusqu'à, pour 1000, donc 16, un problème. Ouais? On les laisse, Shisha, Asar, 1000, jusqu'à 16 km. Je suis étonné quand même par la... C'est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça c'est écrit, hein, on ne va pas discuter. C'est écrit, on fait confiance. C'est-à-dire, un berger, il laisse les animaux s'éloigner jusqu'à une distance de 16 km. Je suis très étonné par le chiffre. Bon, je ne fais que traduire ce qu'il y a écrit, donc voilà. Je fais pas attention quand j'ai lu la Mishnah, en fait, que ça a l'air énorme, quoi. Mais ça correspond à quelque chose de super que ça, je suis content. Que ça correspond à 16 km, c'est qu'en fait, ils expliquent aussi que c'est la distance jusqu'à combien on peut voir de loin. Et ça, je le sais depuis que je suis tout petit, quand on va à la mer et qu'on peut regarder au fond, au large,
eh bien, on peut regarder jusqu'à 16 km. Après, la Terre continue à tourner. Donc, on ne peut plus voir. On ne sait plus dans le Baofek. Non, je ne sais plus si c'est 16 km ou 30 km. En tout cas, ici, c'est écrit que c'est 16 km que l'on voit. Peut-être qu'il faut contrôler. Donc, 16 km. 16 000. C'est ce qui est écrit. D'accord ? On continue. Haya ben Elou la Elou, Shloshim ou Shnaim Mil, Enan Mistafim. S'il y avait, alors quelque chose de très étonnant, je traduis d'abord, s'il y avait entre les deux troupeaux 32 000, donc l'équivalent de plus ou moins 32 km, eh bien ça ne s'associe pas. C'est-à-dire, je t'ai dit, tu sais, si tu as tes deux troupeaux, tu es plus ou moins dans le même endroit, tu as un troupeau qui est du côté de Tzfat et un troupeau du côté de Méron. Or, c'est pas très loin tous les deux, c'est très proche. Donc un, il est sur le versant là-bas de la montagne qui descend de Méron, et l'autre là, qui descend de Tzfat. Et puis finalement, il s'avère qu'il y a 26 km, c'est bon, ça s'associe. Mais la Mishnah, elle me dit quelque chose de très étonnant. Mais par contre, s'il y a 32 km, 32 000, alors ça ne s'associe pas. C'était un peu en trop là, de m'avoir dit ça, parce que même s'il y a 17, ça ne s'associe pas. Donc pourquoi il a fallu préciser 32 pour la suite de la Mishnah. Par contre, Hayalo Baemsa, une fois que tu avais 32 km, 32 000 entre les deux, mais tu en avais une au milieu, alors là, Mevi ou Maasran Baemsa, la Mishnah enseigne, c'est bon. Il y a maintenant, tu vas pouvoir tout, elles sont toutes reliées. T'as, comme on a pris le cas de Méron et Tzfat, je ne sais pas combien il y a à vol d'oiseau entre les deux, j'imagine que ce n'est pas des masses. Et donc maintenant, t'as d'un côté ton troupeau là-bas, l'autre, ouais, t'as 22 km entre les deux, 22 000. Mais t'as au milieu, t'as une vache à toi qui est au milieu. T'as une autre. Alors maintenant, le fait qu'il y ait la vache au milieu, elle fait que ça associe les autres vaches, que maintenant tout est considéré comme un seul troupeau. Pour les prélever, il faudra que tu les réunis toutes dans un enclos, et tu comptes tous les petits, et tu les le dixième, et tu le sanctifieras, tu diras qu'il est maaser, comme on apprendra dans les prochaines Mishnayot. D'accord ? Par contre, précisons aussi, c'est qu'il faut nécessairement un animal qui les associe. Mais si c'est le roé qui est là, imaginez comment je pourrais faire paître mon troupeau, et j'ai laissé mes vaches partir, un groupe de vaches partir dans le nord, un groupe de vaches partir dans le sud, et moi, je suis resté tout seul au milieu, sans animal qui restait avec moi. Alors là, je ne pourrais pas les associer. C'est-à-dire, si là-bas, il va y avoir 10 nouveau-nés, et là-bas, il y a eu 9 nouveau-nés, et là-bas, 9 nouveau-nés, je ne vais pas pouvoir les associer. Parce que moi, je ne peux pas les associer. Je ne suis pas un troupeau. Enfin, je pense. D'accord ? Et on continue la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ayarden, Mavsik, Lema, Serbema. Jusqu'à maintenant, on a parlé donc de distance. C'était le seul paramètre. Rabbi Meir vient et me dit, tu sais quoi ? Il y a encore un autre paramètre important. C'est que s'il y a une frontière entre les deux, en l'occurrence, une frontière explicite dans la Torah, qui est le Yarden, le Jourdain, la rivière du Jourdain, si elle te sépare les deux animaux, puisque la rivière du Jourdain, elle est considérée comme un gvoul, comme une frontière d'Israël, alors là, dès que tu vas voir des animaux d'un côté, tu fais paître ton troupeau sur les deux rives du Jourdain, la moitié à droite, la moitié à gauche, ouais, il n'y a pas tellement de communication entre les deux, j'imagine, peut-être que tu peux quand même les faire passer par un guécher, par un pont, mais en tout cas, de manière générale, elles sont là, et un groupe qui est là, un groupe qui est là, il y en a 9 ici, 9 ici, et bien tu ne pourras pas les associer en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Jourdain qui fait frontière, qui les sépare à tous les deux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Metzlach HaKol Tov. Salam.